Salut, c'est Benjamin. Dans ce bilan de la semaine numéro 15, je suis enrhumé, ça c'est le premier point. Et je voulais surtout vous parler, entre autres, de minimalisme. D'abord, cette semaine, c'était la rentrée, donc je suis retourné à l'école, mais il n'y avait pas beaucoup de cours, en tout cas pas pour moi, parce qu'il y avait pas mal de profs et pas mal de salles qui étaient prises pour les concours d'entrée. C'est-à-dire le moment où les jeunes élèves, ou les futurs jeunes, enfin les peut-être futurs jeunes élèves, viennent passer des examens pour savoir s'ils vont pouvoir intégrer l'école dans laquelle je suis. J'en avais déjà parlé, mais on m'a redemandé dans les commentaires, donc je le redis, je suis à l'école supérieure d'art de Lorraine, qui se trouve à Metz, même si je suis sûr que d'autres vont redemander, mais je leur dirai autant de fois qu'il le faut, ou alors je les renverrai ici, enfin en tout cas, ils le sauront. Et pour ceux qui se demanderaient comment ça se passe pour rentrer dans une école d'art, dans mon école ça se passe sur 2 jours et vous avez une partie écrite plus une partie orale. Dans la partie écrite, il y a des textes à écrire en anglais, un autre en français sur un thème en particulier, et il y a ensuite une partie plastique, une épreuve plastique dans laquelle on vous donne un thème et vous devez y répondre à votre manière. Et ensuite vous allez passer à l'oral devant un jury pour présenter cette épreuve plastique plus tous vos autres travaux, en tout cas les projets que vous avez envie de présenter, pour pouvoir expliquer ce que vous faites, pourquoi vous le faites et surtout ce que vous attendez de cette école et en quoi vous pensez pouvoir évoluer à travers l'enseignement que vous aurez dans cette école. En tout cas c'est le principe. C'est montrer que vous voulez être là, que vous êtes passionné, que vous avez envie de créer des choses et que vous avez surtout quelque chose à dire, à raconter, à montrer. Ces examens pour rentrer dans une école, ils sont plus ou moins difficiles selon l'école dans laquelle on veut entrer. Donc si vous avez passé des concours d'entrée pour entrer dans des écoles d'art en particulier, mais éventuellement aussi dans d'autres domaines, vous pouvez le dire dans les commentaires. Comme ça, on pourra avoir quelques témoignages et voir un petit peu quelles sont les différences entre les différentes écoles, dans les différentes villes, des différentes régions, des différents pays. Je vais m'arrêter là parce que ça peut aller très loin. Ça me permettra à moi de voir un petit peu comment ça se passe et ce que vous avez ressenti pendant ces concours-là, mais ça permettra aussi à ceux qui se demandent comment ça se passe et qui voudraient peut-être rentrer dans telle ou telle école, de voir un petit peu comment ça s'est passé pour vous, pour éventuellement se préparer psychologiquement au concours qu'ils vont passer l'année prochaine. Le mot « concours », quand on a le nez bouché, c'est horrible. Donc donnez votre témoignage et je pense que ça pourra aider beaucoup de monde à y voir plus clair. Pendant ces jours-là où j'étais un petit peu plus libre, où j'ai pu aller me balader tranquillement, flâner quoi. Me poser un peu, réfléchir à plein de choses et avoir surtout du temps de repos, du temps pour moi pour me poser plein de questions hein, comme d'hab. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me plaisaient particulièrement dans ce type de journée là, c'était le sentiment de liberté que j'avais, le sentiment de choix surtout, et le fait de pas se dire que je me lève pour aller en cours, qu'une fois que je rentre des cours c'est une vie totalement différente où je fais pas d'autres projets etc. Et ensuite ça recommence comme ça jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo des habitudes que j'ai intégrées dans mes matinées, c'est-à-dire 1 ou 2 heures avant d'aller en cours je fais un petit rituel matinal, ça n'a rien à voir avec sacrifier des poulets ou tout comme ça, hein. C'est un petit rituel perso quoi, ça fait de mal à personne. Qui permettait déjà d'avoir à l'esprit que je me levais pas pour aller en cours et pour avoir des cours avec des profs et faire des exercices et des devoirs, ça me permettait d'incorporer les cours dans ma journée mais sans que ce soit une forte obligation et sans que ça paraisse vraiment oppressant et que ce soit un peu comme le tunnel du lycée en gros. Vous savez le moment quand c'est en hiver où vous levez et puis il fait nuit, vous allez en cours et vous voyez rien et ensuite vous sortez et puis il fait nuit, voilà c'est ce moment là. Et pour éviter ça, avoir une plage horaire bien définie, 1 ou 2 heures avant de partir au cours et avoir aussi du temps pour soi le soir, ça permet vraiment de voir les choses différemment. Et là, tout le but, c'était de voir ça différemment, mais pendant toute la journée. En gros, d'avoir juste des choses à faire et de pas avoir de différence entre « je suis à l'école, c'est comme ça, je suis chez moi, c'est comme ça » et pouvoir ensuite faire ce qu'on veut, être le plus productif et le plus surtout reposé, calme et heureux possible. Donc c'est des petits déclics comme ça qui peuvent arriver dans vos journées et qui peuvent vous faire dire qu'il y a des choses à changer pour que votre vie soit meilleure. Ça fait quelques temps maintenant que je me renseigne en lisant des livres, en regardant des vidéos sur le principe du minimalisme. Quand je dis minimalisme, je parle pas du courant artistique, mais bien du mode de vie minimaliste. C'est-à-dire définir ses principes, définir ce qui est nécessaire pour qu'on soit bien, pour qu'on soit heureux et qu'on fasse ce qu'on a envie de faire, en supprimant tout ce qui est superflu et en ne gardant que l'essentiel pour en faire un maximum avec un minimum. Ça marche dans tous les domaines de votre vie, que ce soit votre environnement physique, c'est-à-dire enlever tout ce qui n'est pas essentiel et supprimer tout le superflu qui se trouve, par exemple, autour de vous dans votre chambre ou alors chez vous en général. Mais ça marche aussi pour ce qui n'est pas physique, c'est-à-dire enlever toutes les tâches qui ne sont pas nécessaires, gagner du temps, faire davantage de choses que vous aimez, prendre davantage soin de vous. Et pour comprendre tout ça, je vous invite à aller regarder et écouter tout ce que font les minimalistes, ceux qui ont créé le blog TheMinimalist.com, c'est-à-dire Joshua et Ryan, qui sont 2 Américains qui expliquent très clairement leur mode de vie, comment ils fonctionnent, et surtout le fait qu'ils sont passés d'une vie de professionnel, d'une vie de cadre dans une grande entreprise, c'est-à-dire riche, avec belle voiture, belle maison, tout ça, tout ça. Ils ont eu un déclic qui leur ont fait se dire « mais en fait, c'est pas ça que je veux et c'est pas ça dont j'ai besoin réellement dans ma vie, donc je vais carrément tout changer ». Et ensuite, ils ont monté ces blogs-là, ces podcasts, pour expliquer à tout le monde comment ils ont fait et comment on peut adapter ça à notre vie. Parce que c'est clairement pas quelque chose qui sera identique de personne à personne. Il s'agit de se comprendre soi et de savoir ce dont on a besoin pour ensuite éliminer tout ce qui est pas nécessaire et de garder que l'essentiel, que le meilleur, que ce qui nous sert le plus.
Je vous invite vraiment à aller écouter leur podcast. Encore une fois, c'est en anglais, mais si vous m'écoutez, vous avez déjà pris des cours d'anglais et vous avez déjà lu pas mal de choses en anglais pour pouvoir apprendre beaucoup de choses en plus que seulement avec le français. Il existe aussi des ressources en français. Il vous suffit de taper minimalisme ou mode de vie minimaliste dans Google pour trouver plein de blogs et plein de ressources, que ce soit livres ou vidéos à ce sujet. Et si j'en parle ici, c'est parce que je pense que ça peut avoir un lien avec la créativité, avec les créations et avec le fait de créer des images et raconter des histoires. Parce que l'enjeu de ma chaîne, c'est pas seulement de vous expliquer techniquement comment on fait les choses, de vous dire on fait comme ça sur Photoshop et pour faire un montage vidéo c'est comme ça. C'est plutôt de vous donner les outils, la compréhension nécessaire pour ensuite créer votre environnement personnel, avoir un espace de liberté et de créativité autour de vous qui vous permettent de créer et de raconter ce que vous voulez. Et je pense que ce principe de mode de vie minimaliste peut grandement vous aider à être plus créatif, à y voir plus clair, à avoir plus d'idées et surtout avoir plus de temps et plus d'énergie pour être plus productif et mettre au clair ses idées, les mettre au point et en faire. Il y a beaucoup de soleil d'un coup là. Tu m'empêcheras pas d'expliquer ce que je vais expliquer, ok? Je suis sûr et certain que ça peut vous aider, que ce soit à une petite ou à une grande échelle. Vous avez forcément quelques petites choses que vous pouvez enlever de votre vie pour gagner du temps et de l'énergie. Alors comme d'habitude, renseignez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous avez appris sur le sujet, parce que je vous donne pas tout ça simplement pour que vous vous disiez « Ah là là, je connais plein de trucs parce que j'ai regardé ces vidéos et il m'a expliqué ça ». J'aimerais surtout que vous alliez vous renseigner par vous-même sur tous ces sujets dont je parle ici, pour pouvoir appliquer ce qui est applicable chez vous, faire des tests et savoir ce qui sera le mieux et comment aussi améliorer tout ce que vous faites. L'objectif global, c'est que vous ayez les outils et les ressources pour pouvoir créer un environnement de liberté autour de vous, un environnement propice à la créativité. Et je pense que prendre conscience de certaines choses, notamment grâce au minimalisme, ça va vous permettre d'avoir plus d'idées, plus de temps et plus d'énergie pour mettre ces idées-là en place. Il y a trop de doigts là, je me suis gouré. Plus d'idées et surtout plus de temps et plus d'énergie pour les mettre en place. Ne restez pas seulement à vous dire « ça marchera pas pour moi, je vais pas essayer et c'est pas pour moi ». Si vous vous dites ça, vous êtes simplement en train de passer à côté de quelque chose et ça se trouve vous aurez le déclic d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici demain et vous vous direz « il faut absolument que j'essaye mais j'aurais peut-être dû le faire avant finalement ». Alors commencez à vous renseigner là-dessus et dites-moi dans les commentaires ce que ça vous apporte. Et ce que je vous dis là, c'est un conseil global. Lorsque vous lisez un texte ou que vous regardez une vidéo et qu'il y a une idée qui vous intrigue, c'est peut-être le signe qu'il faut vous renseigner et tester cette chose-là pour savoir si ça marche ou pas sur vous. C'est tout ce dont je voulais vous parler cette semaine et sachez que faire une vidéo avec le nez bouché c'est vraiment horrible et que c'était assez hardcore de faire cette vidéo là et que j'ai mis beaucoup de temps et que voilà. S'il y a des questions que vous vous posez, que ce soit sur la chaîne ou sur la création d'une manière générale, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires et je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Vous pouvez laisser un j'aime en dessous de la vidéo si elle vous a plu, la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La lumière se barre encore une fois et c'est très chiant. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires.